Franchement, Rafi, moi je te le dis, hein. Moi je, tu sais, si je fais le big up show, c'est vraiment pour être dans une ambiance smooth, tranquille, tu sais. Pas des mecs violents comme ça qui viennent, qui te bousculent et tout. Non, c'est pas l'idée, c'est pas Vas-y, on l'idée. peut commencer chaud là. Hein? Allez, balance le générique là. Allez, allez. On y va. Bon bah génial. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Big up, big up, big up à tous. Big up à tous. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir dans cette nouvelle émission, ce nouveau show. Alors, j'ai fait des fiches, je vais pas toutes les lire, mais celle-là quand même, elle est quand même hyper hyper importante puisque c'est celle avec laquelle je vais introduire l'émission. Le Big Up Show, c'est quoi? C'est l'émission qui met à l'honneur les parcours inspirants et les personnalités charismatiques qui allument nos cultures. Alors, je vous souhaite très sincèrement à tous devant votre écran, connectés en stream, devant vos ordinateurs de chez vous, vous qui nous regardez en live ou en replay, je vous souhaite à tous un grand, grand, grand big up, un gros big up, et je vous souhaite à tous la bienvenue. Cette émission, eh ben mon invité, il n'a pas hésité à me répondre directement avec un très court message, comme à son habitude. Oui, dispo. Il m'a dit oui, dispo, comme ça, comme à son habitude, très laconique, le gars. Chorégraphe, danseur, DJ, formateur et éducateur, artiste et créateur d'événements. C'est un des acteurs principaux de la culture hip-hop, de la danse, son domaine de prédilection, membre fondateur du Wanted Posse et du collectif Serial Steppers. Il est le créateur de la Hawks Method. Auréolé d'une centaine de titres, de trophées, de podiums en tout genre à travers le globe, multiple champion du monde et de France, n'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est un artiste boulimique qui enchaîne les projets, s'investit et les incarne avec ce que moi j'appelle une force tranquille et une vision globale assumée. Présent dans les plus grandes compétitions, que ce soit le Juste Debout ou même le Summer Dance Forever, et aussi face à ses élèves dans le monde entier. On a pu aussi le voir sur la pelouse du Parc des Princes. Le mec est partout. Mais aujourd'hui, il est ici présent avec moi, dans les studios de Do Life, mon invité, Monsieur Yuxan Hawks. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, monsieur, après m'avoir bousculé comme un malpropre? On est déjà éduqué, non? Comment ça va? Ça va, et toi? Ouais, ça va super. Alors j'ai lu ma fiche, c'est la première. Je suis un petit peu encore dans le stress de l'émission. J'ai retracé ton portrait là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai été... Comment C'est t'as les grandes trouvé? lignes, c'est les grandes lignes. On va pas parler, on va pas tout dire, mais en fait, c'est les grandes lignes. C'est les grandes lignes, ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire? Tu fais beaucoup de choses. Oui. T'es installé dans le monde entier. En fait, ton terrain de jeu, c'est le monde. Tu danses partout. Tu donnes des cours partout, tu mixes partout. Fait tout partout. C'est ça? On essaye d'être le plus actif possible. En fait, au fur et à mesure des années, bah, comme je fais un métier artistique comme la danse, ça m'a ouvert des portes sur d'autres choses encore, autant dans le dessin que dans la musique. Et voilà, on essaie d'ouvrir notre panel un peu partout. Alors, le Big Up Show, c'est une émission où j'ai décidé de rendre hommage à toutes les personnalités qui allument nos cultures, qui font en sorte que notre culture, nos différentes cultures soient mieux vues, mieux comprises. Et voilà, donc on essaye de mettre en lumière tous ceux qui les activent. Donc, je voudrais encore redire bonjour et merci à tous les gens qui nous regardent en direct, qui sont dans notre public interactif, puisqu'on a un mur avec des gens qui nous regardent, et ça, c'est génial, et je vous embrasse tous. Voilà, je vous embrasse tous. Un petit big up, voilà, big up. On va, c'est une émission, en fait, on va dans cette séquence-là qui arrive, on va... D'abord, tu sais quoi? On a des jingles, alors on va lancer le premier jingle, histoire de transider. I would be, I would be.
Alors, on est en direct, donc parfois, moi, je vais avoir des oublis, je vais lancer des trucs qui peut-être ne sont pas en place, bref, mais on va essayer de faire ça carré quand même. Dans cette séquence, Yux, on remonte ensemble ta rue idéale. Ok. Donc, en fait, je t'ai demandé en préparant l'émission plusieurs lieux, différents lieux que tu affectionnes selon les catégories. On en parle ensemble et tu nous expliques tes choix. On va commencer par ton lieu culturel, le CCNB. CCNRB. CCNRB. Ouais, CCNRB. Donc raconte-moi, dis-moi pourquoi tu as choisi ce lieu. Bah, pour moi, c'est un lieu culturel qui est à Rennes et bah, qui a été où l'un de mes meilleurs amis qui est décédé aujourd'hui a été co-directeur, qui s'appelait Ousmane Sy. On en reparlera, oui. Et puis, c'est un collectif qui fait des grandes choses aussi pour la culture hip-hop. Être dans un CCN et avoir une direction hip-hop, c'est pas tous les jours C'est qu'on pas a. rien. C'est pas rien. Et c'est un lieu qui va inaugurer des noms des salles avec des noms de groupes, Ok. dont mon groupe Wanted Le Wanted Posse. Posse qui a eu son Voilà, lieu, sa salle. exactement. Exact. Actuelle Force, Boogie Locker et Jeux de Jambes. Donc pour moi, c'est un lieu. Pour moi, c'est un lieu. Je suis obligé de parler de ce lieu puisqu'il Bien y a un sûr. lieu avec le nom de mon groupe qui est Ouais. là-bas. Donc forcément, bah, je suis obligé de. Forcément, il fait partie de ta rue idéale, quoi. C'est clair. Pour ce qui est de ta marque, ton magasin de vêtements ou de sneakers, tu m'as cité le magasin Opium. Ouais. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, je suis un C'est quoi sneak. Opium d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent Opium, c'est un pas? magasin qui est à Châtelet, à côté de le métro Étienne Marcel. Ouais. Châtelet à Paris. Voilà. Et bon, je pense que ça fait très longtemps qu'ils posent bah, des chaussures, comme les Jordan ou d'autres chaussures. Et je pense que même au début, allez, 2000, c'est l'endroit où nous, on allait acheter nos baskets, en fait. Ouais. Bon, maintenant, j'y vais pas trop en ce moment, mais je trouve que bon, c'est un magasin que je mettrai en avant parce qu'ils sont là depuis longtemps, quand même. Dans ta rue idéale aussi, je demande un lieu où tu aimerais aller boire un verre. Et franchement, j'ai été étonné de ta réponse. Tu vas parler du... Ah non, on a oublié un truc. Il y a derrière, dans les marques ou magasins, pardon, tu m'as parlé de Polo Ralph Lauren. Ouais. Ça, c'est... Il y a un truc à dire là-dessus. Ah, Polo. Ah, Oui. bah, je suis un peu devenu un Polo addict. D'accord. Et, Depuis quand? depuis pas mal de temps. Ok. Mais après, il y a une marque de. Enfin, à New York, en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient Polo addicts Ok. à l'époque et tout, et qui sont aussi des danseurs et des rappeurs. Ok. Et bon, à force de garder des liens avec eux. Bah, ils m'ont dit, bah, ce serait bien aussi que tu rentres dans notre système. Donc, Yes. à New York, on les appelle les lowlife. Bon, je Ok. suis pas lowlife, mais je suis un peu affilié. Et ils ont fait une marque apparente qui est un peu similaire à celle-là, qui s'appelle Grey by Waze. Ok. Et ils m'ont sponsorisé. D'accord. Donc, voilà. Donc, et aussi, je suis affilié aussi à plusieurs personnes, comme le Polo Paris Club, D'accord. à qui je fais un gros big up. On est là pour ça. Un grand big up à Prince Lo aussi, New York, un Yes. big up à tout cela, à Fred Nati, tous les gens qui collectionnaient Polo Sport et tout ça. Voilà, Fresh, Tex, Yes. Tex, bien sûr, DJ Stretch, on Tout est le monde. plein, on est Ok. beaucoup. Vous êtes un squad. On Ok. est un squad, on est beaucoup. Alors, dans ta rue, on continue à évoluer. Donc, on a passé un moment incroyable dans le Centre national culturel de Rennes. On s'est posé, on a fait un petit tour dans le magasin Opium. On voit tes vêtements polo. Et puis, on va boire un verre. Et toi, on va boire un verre au June. Au June. C'est quand on a préparé l'émission, Yux, Moi c'est toi qui m'as dit June. j'ai dit Moi, June, personnellement, je vais pas boire un verre au June. Mais bon, après, si, je vais boire un verre, mais je fais autre chose quand Oui, je bois. bien Voilà. sûr. Alors, Bon, moi j'ai raconte-moi. dit June exprès Oui. parce que bon, le June on connaît, c'est bon, c'est un bar et aussi c'est un club. C'est ça. Et bon, quand je dis viens voir là-bas, forcément c'est pour aller danser, C'est pour ça. aller écouter du son. D'accord. Et le June pour moi c'est un lieu mythique pour la culture musicale. Parce que c'est là-bas où plein de DJ, de toute façon, j'ai voyagé partout dans le monde et plein de DJ veulent jouer là-bas. Donc le June aujourd'hui, pour moi, c'est un grand club. C'est un grand club à qui, bien sûr, je dis un grand Passer big un up grand à big up. Afshin, à son fils Adrien, à sa femme,
tous les DJ qui jouent au June, parce qu'ils entreprennent beaucoup de choses pour la culture, okay, beaucoup de choses pour les danseurs. Et je pense que c'est un club que je mettrai toujours en avant parce qu'ils ont souvent fait des grosses, grosses soirées. Et voilà, moi je mets le June en avant. Voilà. Ah, allez ça, boire au June. Allez voir les verres en apéro, ben voilà, en fin de soirée. Voilà, bam. C'est très bien. En fait, t'as réussi par caser le June à un moment ou un autre. Ah, apéro, oui, ou danse, ou soirée, clubbing. Voilà, voilà, ça passe. Exactement. Et t'as parlé d'un lieu mythique, et il y en a un autre où là, on peut aller voir un concert, voir un spectacle. C'est l'Élysée-Montmartre. Raconte-moi un peu ton histoire avec l'Élysée-Montmartre. Ah, l'Élysée-Montmartre, ouais. Bon, plein de choses. Bah oui. Un, parce que j'ai dansé plusieurs fois là-bas, mais aussi... par rapport au sound system, le fait aussi que historiquement j'ai vu beaucoup de concerts là-bas. Ouais. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Et c'est un lieu, quand tu m'as dit cite-moi un lieu, bah, j'ai dit un lieu mythique, bah, j'ai dit directement bah, l'Élysée-Montmartre. Forcément. Bien sûr. Forcément. Ouais. Ben voilà, on a retracé ta rue. Ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'en même temps on passe des big up, on rend hommage à des lieux qui ont marqué ta vie. Et comme ça, on retrace The Street of Hooks and Hooks. Et donc, merci d'avoir participé, parce que je sais que je t'ai mis un peu à contribution. Mais c'est cool. Pas de problème. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Pour notre prochaine séquence, Hooks, nous allons procéder à un petit tour de magie. Mais pour cela, il faut que tu nous connectes, toi, à une de nos trois cases magiques. On y va. Alors, derrière ces cases, il peut tout se passer, Hooks. Arrête. Tout peut apparaître. Une surprise, un témoignage, une vidéo, bref, tout, tout, tout. Allez, tu choisis entre nos trois chiffres magiques. À toi de jouer. Ah, il m'a fait flipper, lui. Vas-y, le 2. Allez, le 2. C'est parti pour le 2. Qu'est-ce qui se passe derrière la case numéro 2? Ah, bon, c'est les aléas du direct, évidemment, forcément. Ah. Cette phrase, j'ai rêvé de la dire. C'est les aléas du direct, messieurs, dames. Non, bon, de toute façon, on a toujours de quoi faire. Il y a des choses qui se passent dans l'émission auxquelles tu n'es pas au courant. Bah, je vois ça. Bah, voilà. Non, mais attends, il faut prévenir. Bah, non. Tu connais le principe d'une surprise? Ouais. Non, mais je joue le jeu jusqu'au bout. Je sais que tu joues le jeu, je sais que t'as accepté de jouer le jeu parce qu'on a une relation particulière, toi et moi. Mm-hmm. Et franchement, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette première, en gros, hein, parce que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais tu m'as fait confiance, tu m'as dit oui direct, comme je l'ai dit en début d'émission. Tu m'as dit oui, je suis là. Et ça, vraiment, je te remercie pour ça. On va pouvoir avoir la surprise. Donc, tu nous as dit la case numéro 2. Allez, on y va pour la case numéro 2. Yeah! Est-ce que tu reconnais notre ami? Chape! Capella! Mon sauce. Yeah, yeah. Capella, comment ça va, Capella? Okay, on est là, ça va et toi? Tu nous entends? Ouais, c'est cool. C'est cool. J'entends bien, très bien. Bon, moi, je connais votre lien. Et j'ai décidé, je me suis dit que c'était une bonne idée que tu nous racontes quelque chose sur ce qui vous lie, votre lien, et qu'on en parle un peu ensemble. Une anecdote, quelque chose que tu as sur... C'est simple. Moi, quand je commence la danse, je regarde beaucoup tout ce qui est cassette VHS, DVD. Et donc, je tombe sur une cassette vidéo du Globo à l'ancienne. Et dans les Wanted, donc je suis principalement attiré par le B-Boy, mais il y a deux personnes qui dansent debout et qui dansent au sol aussi, qui se différencient des autres. Ouais. Ça m'a mis un peu longtemps avant de comprendre, mais c'est que quand j'ai vu le DVD de 2001, que j'ai vu qu'eux, ils étaient vraiment différents, Baba et Hugues, tu vois. Hein. Moi, ce qui me rapproche plus de Hugues, c'est pas tout de suite sa danse et son caractère. Dans nos débuts, il me faisait un peu la misère. Ça veut dire que c'est pas tout de suite qu'on est devenu sauce, je te dis, je voulais le planter. À chaque point de rue, je le voyais, il y avait un couteau qui traînait. Et s'il y avait possibilité de le mettre un coup dans le dos, j'aurais mis dans le dos. Quoi. Mais je ne l'ai jamais fait parce que dans le milieu de la danse, c'était qui il est. C'est-à-dire que lui, il aimait bien titiller. Mais on a toujours dit que quand il titille, vaut mieux qu'il titille, qu'il titille pas, ça veut dire qu'il t'aime bien. Quoi. Et un peu donc, son mode de fonctionnement. C'est vrai. Il venait siffler dans mon oreille. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans le beat. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu fais? Ça ressemble à quoi? C'est quoi ton délire? Tu marches comment?
Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais est-ce que c'est envers moi ou c'est envers les gens? Et on m'a tout de suite dit, si c'est ça, c'est qu'il t'aime bien. Et bah ouais, on s'est lié d'amitié. Ça a été vite aussi parce qu'il a vu que j'étais aussi tenace, tu vois. Je suis quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui aussi respecte mes aînés, les grands et tout ça. Et tout s'est fait naturellement, de fil en aiguille. On s'est retrouvés à marcher ensemble et depuis, bah, on ne s'est plus lâché, tu vois. Inséparables, les deux inséparables. Cap, je ne t'ai pas présenté tout de suite exprès, c'est juste pour que Hughes puisse lui-même nous dire des mots sur toi et te présenter aux gens, danseurs aussi. Acapella, Ouais. danseur, DJ, grand DJ, un frère, un frère, Ouais. c'est un frère, un petit frère que je connais depuis longtemps maintenant, hein. Plus d'une quinzaine d'années, un peu plus même. Figure montante dans la danse, qui pour moi n'a pas encore fini de montrer des choses encore dans la danse. C'est vrai. Préparez-vous. Il l'a dit. Préparez-vous. Il fait mal, hein, Capella. Tu fais très mal. ouais T'es et très bon en voilà DJ, en danseur, c'est en pédagogue. Ouais. super humble, pédagogue et voilà je pense que c'est en fait c'est la continuité comme on dit il reflète l'énergie que je vois bien sûr sur Babson en lui mais il a aussi développé ses tricks son identité. C'est super dur de développer ton identité dans le milieu en fait artistique et je pense que lui il l'a développé et voilà tous les jours avec lui on s'appelle tous les jours d'ailleurs Oui. et voilà quand j'ai des conseils ou un blanc bah, je l'appelle on s'appelle Ça et va dans les deux sens ça du va dans coup. les deux sens et tout donc Et toi voilà aussi, Cap, quand tu l'appelles, non il te mais c'est dit la même il te... chose c'est-à-dire que toi on n'a même aussi. pas des fois on n'a même pas besoin de se parler on a cette relation de on se fait confiance mutuellement donc lui de son expérience de sa maturité de tout ce qu'il a vécu que ce soit dans la musique dans la danse dans la vie moi j'arrive après donc que moi j'ai vécu, il a vécu déjà avant, donc il m'évite certaines choses. Après, il y a des choses que je dois vivre, mais je suis quand même privilégié de l'avoir à mes côtés, donc ça m'évite plein de choses. En tout cas, j'ai été enrichi de l'avoir parce que musicalement, comparé à des gens de ma génération qui ont eu du temps à connaître des sons ou aller dans une direction, lui, il me donnait déjà tout. Pareil en vidéo, Un pareil en accélérateur. information. Donc, ouais, c'est vraiment ça. C'était, tu sais, quand tu fais un relais, mais. Un relais pas comme tous, parce que celui-là, il était vraiment très très proche. Il avait vraiment des exclus, comme on dit, tu vois. J'ai eu un traitement de faveur de son côté qui a été bénéfique, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai su quoi en faire et je continue à en faire quelque chose, mais à vie, j'en serais reconnaissant, parce que sans lui, je pense que plein de choses dans ma vie d'artiste ne se seraient pas passées. Donc, comme il dit, Magnifique. c'est un frère et c'est dans les deux sens, tu vois. Bah, c'est le mot de la fin, je crois. Cap, parfait. Merci énormément Mon fléau. d'avoir été la première surprise de notre ami Yux. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté aussi rapidement, aussi en plus. On va choisir une autre case. Oh, il y a encore Yux? des gens encore? Ouais, mais alors attends, parfois, par contre, cette case-là, Ouais. c'est ma case à moi. Ok. C'est une case promo, c'est une case ami, c'est une case poteau, c'est une case où on met en avant vraiment ceux qu'on aime et qui font des belles choses dans tous les domaines. À quoi qu'il arrive alors? Choisis. la case numéro 3. Allez, go. C'est parti. Nos amis arrivent. Nos amis vont arriver. Alors, bon, bah, tu vois, c'est ça, hein, c'est les enchaînements, en fait, Bon, c'est la première, c'est mais les oui, aïeux de on est dans une espèce d'expérience nouvelle, inédite, où, voilà, Je crois que c'est nous qui arrivons. Ah, il va nous mettre tous les deux Yo, sur une yo, case. Ah, on les entend. yo! Ouais! On vous entend, vous faites du boucan. Hein. Est-ce que tu as reconnu les voix déjà, peut-être? Ouais, Vous faites du boucan, mais on vous entend, mais on vous voit pas, les gars. le tout, c'est de nous entendre. Est-ce que tu arrives à reconnaître les voix, tiens? Déjà, la voix, je la connais. C'est mon gars, Off Mic! Ah bah voilà, t'as découvert. Bravo. Yes, Off Mic. Alors attends, Off Mic ne parle plus. Peut-être une autre personne peut parler. On va voir si tu reconnais la voix aussi. Le ton Est-ce que plein. la deuxième personne qui est avec Mike peut parler? Ah bah voilà. Oh bah voilà. Voilà. Yo. Non, l'autre côté. Voilà les gars. Oh mais Et disons la non! télé, c'est pas Mais votre truc, hein, les gars. Rémi! Mais Rémi! Voilà, Oh John! c'est mon boucan. Zayo!
Mon gars, sûr. C'est mon petit cadeau. On va rentrer vite fait dans le vif du Ah sujet. J'ai oui. voulu avoir Starship Loopers. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que c'est eux qui ont conçu le son du générique qu'on a entendu au début. Alors, si vous avez aimé le son du générique, sachez que c'est Starship Loopers qui a fait ce morceau. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur le prochain morceau qui va sortir la semaine prochaine, en plus avec un clip. Non, qui est sorti et qui va. Il est sorti. Voilà, il est sorti, il va Il est sortir en clip sorti aujourd'hui. la semaine prochaine. Les gars, on va écouter un peu et puis après on va en parler. Ça vous Ouais, va? Allez, ça go, marche. parti. C'est C'est gentil. parti. Les gars, j'en ai mis pas longtemps, hein, histoire Ouais, non, mais ouais. donner envie aux gens d'y aller. Faut Bon, aller les gars, streamer ça. Starship Loopers, bon, Hughes, il vous connaît, hein, forcément. Donc moi, Ouais. mon cadeau à lui, bah, il connaît. Très bien, même. Très bien. C'est les bons amis, bah, DJ, compositeur, musicien. Rémi, c'est pas danser juste, c'est ça, c'est tout. Après c'est Mais bien, non, hein, je suis un danseur discret, un danseur mais... discret. Ah, t'es super discret alors, Rémi, hein. Bon, Starship Loopers, les gars. Je t'en Les gars, prie, prends parlez. la tête. Les gars, on a moins de temps maintenant. On n'a pas beaucoup de temps, mais du coup, en Ouais. 2-2, parlez-nous de ce projet qui va sortir là, très bientôt. Qui est sorti et qui va sortir en clip la semaine prochaine et l'album dans pas longtemps. Alors, Starship, c'est Starship Loopers. Donc, une fusion musicale. On a mélangé toutes nos influences, toute notre. Nos dérives musicales et on a fait un gros travail collaboratif où voilà, on a un peu intervenu sur les créations des uns et des autres et on a tout finalisé ensemble pour faire un album qui nous ressemble. Qui ressemble à toutes ces influences tout en restant hyper musical et essayant de rester qualitatif et faire ce qu'on fait tout souvent dans c'est ce pourquoi on nous connaît, faire danser les gens, quoi. Ok, et si je dis Future Beats, c'est un gros mot, comment vous Oui, pouvez carrément, expliquer ça aux gens? c'est carrément ça, Future Beats, Bass Music. Ouais, c'est la manière la plus générique de le présenter parce qu'effectivement, ouais, c'est. On pourrait le coller dans toutes les cases, mais en fait, chaque morceau a sa surprise. Donc, Yes. déjà, classer chaque morceau, c'est compliqué. Donc, ouais, J'ai eu Future la Beats. chance d'écouter l'album et franchement, je confirme. Hein. Vraiment. Ouais. Une dinguerie. Hein. Tout l'album est une Oh, dinguerie. c'est pas encore écouté, les gars. Ouais. Attention. On se voit tout à l'heure, on se voit tout à l'heure parce qu'on n'est pas loin. Et Allez. tu vas écouter, et tu cassage de nuque à chaque morceau. Allez. Les gars, parlez-nous de la suite là pour Starship Loopers et pour ce projet à venir. Il va y avoir deux, Alors, trois échéances. la suite, Dame Dada sort en streaming ce soir. Dame Dada, c'est le titre qu'on a C'est écouté. le morceau qu'on vient d'écouter. Donc, c'est le deuxième morceau qui a été mis au public. Le premier, c'était Pandora. Qui est Yes. sorti il y a Deux deux, semaines. trois, deux semaines. Yes. Dame Dada sort ce soir en stream. La semaine prochaine, il y a un clip avec une petite sœur que l'on voit dans nos petits snippets parce qu'on a sorti des vidéos sur Insta. Voilà, il y a Odile Lac de Paradoxal qui est notre égérie sur ce clip. J'ai pas d'autre mot Sista. qu'égérie parce Ouais. que voilà, c'est la famille Bon, et attends, Paradoxal. C'est. Mike, pardon, il n'y a que toi qui parles. Il faut laisser les Ouais, autres parler un peu, pardon, hein, quand même. c'est vrai. John, on C'est t'écoute un quoi peu. ça? On n'a pas écouté le son de ta voix une seule fois. Dis-nous Ah, juste deux mots ouais. sur la release party et Ça te après, manquait? on finira par Rémi Pi. Le Ta pauvre. voix te manquait Quelque chose alors? aussi? Oui, bah oui. Vas-y. Ouais, bah, qu'est-ce que je peux dire? Que ouais, donc aujourd'hui est sorti Dame Dada, donc on va dire c'est le premier single officiel du projet. Le morceau précédent, c'était plus une mise en bouche. Donc là, aujourd'hui, c'est parti sur toutes les plateformes d'écoute, de streaming et de téléchargement. Donc, vous pouvez y aller. Je vous invite à écouter ça fort. Yes. Et la semaine prochaine, effectivement, il y a le clip qui arrive, tiré du même morceau. Ça va sortir sur YouTube. Voilà, que dire que c'est un projet qui a été fait, pas pour les danseurs, mais dans un esprit de danse. Bon bah Parce que. le lien est fait, hein.
Voilà, forcément, avec l'historique qu'on a au June aussi, Yes. bah c'était de toute façon c'est naturel, hein, je pense que le mélange des genres et le fait que ça s'adresse à des gens qui aiment danser, c'est un peu notre marque de fabrique. Ouais. Ok. Rémi? Voilà, et merci beaucoup en tout cas pour Ah. d'avoir pris le un A Live, qui est un autre titre en fait, qui va être le deuxième single. Eh oui, Et le live. toi, tu Et l'as donc, choisi comme générique, et on c'est te ça. remercie beaucoup pour ça, et on te big up, puisque c'est le mot d'ordre ce soir. C'est le mot Ouais, d'ordre de cette gros big émission. up et gros merci. Avec plaisir, Rémi. Un dernier mot, Bah on parle attends. de la release party ou c'est secret? Bah Ah, non, si tu veux, on peut l'annoncer. quand même. On peut l'annoncer, tranquille. Allez, dites Alors, c'est quoi? rapidement, hein. Non, Rapidement, les en gars. gros, là, ce qu'on va faire, on va essayer de sortir un morceau par mois en clip jusqu'à la sortie de l'album, parce qu'on a un album entier qui est prêt, qui attendait juste qu'on soit un peu déconfiné pour voir le jour. Yes. Et donc, on l'emmène doucement, on prépare le terrain avec des sorties, des clips, des vidéos, et Yes. on prépare des lives. On est en train de préparer des lives pour pouvoir faire des vrais concerts dans des vraies salles en visio Avec des vrais gens. avec des vrais gens. Voilà. Canon, ça va être Donc la bien. prochaine date, ce sera le 25 au Disquaire, suite à ton invitation, Case. Et Ok, encore une bah fois, merci voilà. beaucoup. Bien vu, bien placé. Merci beaucoup. Donc dans un Ami, mois pile. Yux, voilà, dans un mois tout pile, 25. 25, c'est le bon chiffre. Yux. Hey, faut envoyer les sons, les gars, vous savez vous-même, hein. Oui. T'inquiète Nous même on pas. a. On a une ruche. On a des abeilles, des bourdons même. On a plein de gens aussi pour danser sur vos choses. Bon, ben, il a aimé, ça veut Et dire. surtout, je voudrais dire, c'est big dédicace bien sûr aux gens qui sont là, parce que c'est la famille Hello Paname. C'est ça. Surtout important. Hello Paname, Everyday All Day, dédicace à Jim, Baba Hello Flex et Paname, tout ça. ma famille. C'est Hello ça. Paname. Bon, les gars, on va vous laisser. On va faire la Ouais. dernière case magique. Merci, les gars. Big up à Merci vous. pour l'invite. Merci à vous, Avec les gars. plaisir. Ciao. Ciao. On va Ciao. enchaîner tout de suite. On essaye de passer dans les temps. La dernière case, c'était là. Une. C'est parti. Normalement, si tout va bien, on a la dernière surprise pour toi, Yux. Oh bah tu vois, Ah ben regarde, voilà. tes dédicaces t'apparaît. Tu m'aurais dit, ouais, t'as vu tes dédicaces, Hey. tu dédicaces pas. Alors T'as vu, comment on fait? je Dans la quel sentais ordre? celle-là. Dans quel ordre on fait? Jim, tu parles de Yux ou Yux, tu parles d'abord de... Bon, tu l'as big upé il y a un instant, il s'agit de Jim. DJ Jim. DJ Jim. Yo, ça va les gars? L'un des fondateurs d'Hello Paname, ça va et toi? On est très Pas content. là, c'est Très... le. Ouais. Parce que j'aime bien parler en collectif, mais Yes. merci Jim d'être là. Donc, Ben, merci pour l'invite normale. tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir, donc nous t'écoutons religieusement. Eh ben écoute, c'est pour big up le frérot, Yuxan. Eh oui. Écoute, Yuxan, moi ça fait. En fait, j'étais déjà petit, mais on se connaissait pas encore. Moi, je le voyais s'entraîner à la maison pour tous de la ferme du couvent à Torcier, parce qu'en fait, on habite là, on vient de la même ville. Et du coup, je le voyais s'entraîner, je le voyais s'entraîner avec tout le monde TED. Et surtout, moi, ce qui me marquait, c'est à l'époque, souvent j'allais au continent et je voyais toujours un Method Man, un Redman. Ils étaient déjà en avance au niveau de la SAP et grand Ils étaient loin Durag, déjà. grand KO et Lion Sen, tout ça. Et je sais que, je sais pas, on a quoi en différence d'âge? On a 3-4 piges, Hugues. Ouais, c'est ça, 3-4 piges. Ouais, donc du coup, c'est la génération d'au-dessus. Donc nous, du coup, on était plus petits, on voyait ça. On voyait les clips et tout, on était là, ouais, des trucs de ouf, il y a des carrés dans la ville, tout ça. Et bon, après, je savais qui dansait et tout, tu vois. Et puis, c'est après, avec le temps, qu'on a été amené à se rapprocher par rapport à la musique et par la danse, parce que je suis pas un danseur. Mais en tout cas, au niveau de la musique, ouais, que Ouais. ça soit sur plein. Bah, Hugues, il a pu m'appeler sur des battles, après, il y a eu les soirées de Paname, enfin, plein, plein, plein de choses, plein d'événements. Et puis, au-delà de ça, c'est le frérot. Donc, un gros big up à lui pour tout ce qu'il fait, que ce soit effectivement, la danse. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'étaler plus que ça. Il est au niveau mondial, voilà, c'est une figure. Au niveau de la culture hip-hop en France et puis internationalement, il fait énormément de choses. C'est quelqu'un de super créatif, qui a énormément d'idées, qui développe, que ce soit avec la Hawks Method. Enfin, et puis, à côté, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais il a plein, plein de projets Ouais. qui
soit qu'aboutisse, quoi, qu'aboutisse pas, mais en tout cas, C'est florissant. Ouais, dans la tête, il y a beaucoup plein de choses de choses. Derrière sous la casquette, là. C'est clair. Donc, un gros big up à Hugues et continue, lâche pas. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est tout ça, ça fait plaisir de te voir. Grave. Je t'ai appelé hier. On se fait discret en ce moment. Ouais, non, t'inquiète, je t'appellerai. Bon, les gars, appelez-vous, j'avoue. Et en vrai, Jim, merci beaucoup. Merci d'être passé par le Big Up Show. De toute façon, toi-même, tu sais, hein, on en parle depuis tellement longtemps. Tu seras toi aussi à cette place un jour. Avec plaisir. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Jim. Grosse carrière. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Bah, moi, je tiens à dire déjà Vas-y. Que c'est une de mes grandes inspirations dans le DJing. Parce que pour moi, c'est un DJ qui n'est pas assez mis à sa valeur. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs DJ. En soirée, il fait ce qu'il veut. Tous ceux qui sont autour, ils savent. Voilà. Donc, c'est ça. Hé, Jim. Lâche rien. Lâche rien. Ouais, lâche rien. C'est vrai. C'est vrai, il a raison. Ah ouais. Jim, on te dit au revoir. On te dit au revoir. Ouais. On t'embrasse vraiment. Big Merci up à toi. Vous. À la prochaine, Hello Paname, à Jim, à tout le monde. Bisous, bisous, mec. Ouais, on dit bisous. On dit bisous. Bisous, bisous, bisous. On va avancer vite. Dans le Big Up Show, en fait, moi, ce que j'aime aussi, c'est rendre hommage à toutes ces associations et ces forces, ces initiatives citoyennes, solidaires. On y accorde une place essentielle, vraiment. Et... Moi, je vais juste commencer par embrasser Odélia, une jeune fille drépanocytaire qui, en ce moment, est en train de se faire de traverser une greffe de la moelle osseuse. Donc, je lui fais un énorme big up et je fais un bisou aussi aux filles de l'association DrépaCare qui font un travail formidable sur la digitalisation de la maladie de la drépanocytose auprès des malades, auprès des familles des malades. Donc, voilà. Donc, je voudrais vraiment leur faire un gros big up. La drépanocytose, évidemment, c'est une cause qui me traverse et dont je parlerai tout le temps, à toute occasion. Mais c'est maintenant à toi, Yux, que je vais demander de nous parler du choix de ton association ou du projet solidaire que tu souhaites placer sur la carte de notre boulevard solidaire. Et écoute, alors on va envoyer le jingle. Le live. Alors. Tu as décidé de nous parler de quelle association? Bah moi, ce sera l'association Projet Congo, bien sûr. Pour quelle raison? Parce que déjà, je suis congolais. Ouais. Oh. Voilà, donc c'est une association qui a été mise en place il y a 2-3 ans déjà, ouais. Avec Junior Boussila, dit Bibo Junior, la Sista, Sandrine, Foxy. Mbika, la plupart c'est des danseurs. Des danseurs, ouais. Des danseurs, Blondie, Kitoko, à qui je fais une grande dédicace aussi. Bah, je vais pas oublier tout le monde, Faradja, il y a du monde, il y a vraiment beaucoup de monde. Beta Maboko. Voilà. Et en fait, c'est une association qui est vraiment dans un but d'aider le Congo, autant dans l'éducation, dans l'artistique, dans la musique, dans la danse. Et voilà, on a déjà commencé à faire des actions là-bas, mmh. À la ville de Goma, ouais. Aussi un peu à Kinshasa, bientôt. On Alors a fait quel des type stages. D'action, des actions culturelles. Des actions culturelles. Autour de la danse, on évidemment. On a fait des cagnottes, on a envoyé l'argent là-bas pour qu'ils aident à faire un festival de danse qui est là-bas. Ok, ok. Le Goma Festival. On est connecté aussi avec les danseurs. Mais là, on va bientôt ouvrir encore dans d'autres choses. Mais le but, bien sûr, c'est le pays. Ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans plein de pays. Mmh. Je trouve que j'ai pas assez fait pour le Congo. Okay. C'est pour ça que faire ces actions au Congo, être connecté à eux, c'est aussi important. On a fait des stages. Et sous peu, on va commencer à faire des soirées, des workshops. Donc, rester connecté, bien sûr. Oui. Encore et voilà, pour collecter, exactement, collecter les sous. Collecter les sous et faire les choses justement pour aider les enfants. Parce que pour moi, là, les enfants, c'est très important. La jeunesse, surtout l'éducation. Tout ce que traverse le Congo. Exactement. Ouais, c'est... On est beaucoup de Congolais qui sont en Europe. Ouais. Donc, c'est à nous de nous réunir et aussi de faire quelque chose pour la diaspora, en fait. Et voilà. Bon, bah écoute, espérons, gageons que la puissance de l'art et de la danse puisse faire son œuvre. En Elle est cas, là. C'est mais, non, mais non, c'est comme c'est un appel d'une association. C'est ça. Si tu es. Artiste, bien sûr, vas-y. Si tu es artiste, rappeur, même sportif, renseigne-toi sur le projet Congo. Où est-ce qu'on peut le voir?
Bah, vous allez sur l'Instagram, vous allez, on a même un site internet. Alors Congo avec un K. Avec un K, exactement, les... comme le royaume du Congo. Voilà. Super important. C'est ça. Donc si vous voulez venir, bien sûr, bah, nous aider, parce que c'est une aide, mais ce n'est pas qu'une aide aussi, c'est aussi une responsabilité en tant que Congolais. Si on a aussi une responsabilité pour les gens du pays. Donc si tu es aussi un sportif, tu as de l'argent. Tu veux investir dans des actions pour ouvrir concrètes, pour ouvrir essayer d'ouvrir, je sais pas, un centre culturel, une passerelle, envoyer de l'argent, envoyer des habits, tout ce qui est possible de faire, bah voilà, essaye de te connecter à nous. Nous on fait des fois des réunions, des choses comme ça, et voilà. On a besoin l'association. Voilà, donc rejoignez l'association. Exactement. Renseignez-vous auprès sur ce qu'ils font. Et apporter votre qualité d'artiste, de sportif, de tout ce que vous faites, entrepreneur, voilà, business angel, voilà. Exactement. Tous les profils sont les bienvenus. Alors, comme on sait, on a des grands talents. C'est ça. Le Congo, dans le rap français, on a des talents. Dans la danse, on a des talents. Maintenant, réunissons-nous. Voilà, c'est ça. On est tous ensemble. Faisons les choses pour le pays. C'est voilà. Le bon mot. C'est le très bon mot. Merci Youx d'avoir placé au projet Congo sur le boulevard solidaire. Super important. Première association qui vient se poser comme ça sur le boulevard, un long boulevard. On va en traverser plein des associations, des actions citoyennes, des initiatives solidaires, éco-responsables, voilà, envers tous les continents, à travers tous les artistes qui viendront ici et qui allument nos cultures. Il est venu temps de débriefer. Alors, ça a été un peu vite, j'avoue. Je vais respirer 2 minutes. J'avoue que c'était un peu un tunnel, tu sais, où tu dois aller vite parce que tu as le temps et tout. En plus, on est en direct. J'espère qu'à travers toutes les photos qu'on a vues, etc., on a pu te connaître un peu mieux. On va continuer à te connaître un peu mieux. Il est venu le temps de débriefer l'émission avec toi. On va évoquer cette approche pédagogique et compétitive que tu as imaginée. Et en plus, dans cette séquence, on va découvrir l'identité de la personne ou de l'institution à qui tu décernes ton big up. Youx. Yep. Alors, on va parler de la Hawks méthode. Franchement, moi, personnellement, mon aventure avec toi, elle démarre à la Hawks méthode en 2016 ou 17, je ne sais plus. 16 ou 17. 17, ouais. 17, ouais. Pareil, comme dit Capella, tu m'as montré que tu aimais bien travailler avec moi, donc ça m'a fait plaisir. Après, c'est dur parce que tu es quelqu'un quand même d'assez... tu as des objectifs et tu veux y aller, quoi, donc tu lâches rien. Et tu es toujours dessus. Et la pédagogie, le concept, le dispositif évolue. Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui? On voit des images en ce moment qui passent à l'image. Est-ce que tu peux nous parler de la Hawks méthode? Bah, la Hawks méthode, c'est un système d'évaluation digitale que j'ai pensé. Maintenant, le côté digital a été étudié avec Valentin Patry. On lui fait un big up. Un grand big up. Donc, le but, c'est que les danseurs ils viennent et s'évaluer et voir leur niveau de danse, leurs compétences. C'est-à-dire que la Hawks méthode, c'est une grille d'évaluation de 20 questions. Et sur ces 20 questions, qui sont divisées en 4, eh bah, on peut voir ton taux de compétence pour devenir un grand danseur. Bien sûr, le taux de compétence est de 100%, ce qui est impossible, mais grâce avec j'ai un blanc là. Vas-y. Parce que tu m'as mis la pression là. Arrête de me regarder comme ça. En fait, si tu vois que tu n'as pas un taux de 100%, c'est normal parce que le danseur ultime n'existe pas. D'accord. Mais quand tu vois tes lacunes, je pense que tu pars sous le principe que tu peux encore mieux travailler. Je suis content que tu me parles de ça parce que moi, c'est la philosophie qu'il y a derrière. Parce que je voudrais que tu nous décrives. Parce qu'en fait, tu nous dis que le danseur freestyle, il doit se connaître lui-même d'abord, avant toute chose. Exactement. C'est une approche vraiment de soi contre soi. Ouais. En fait, c'est ton miroir. En fait, moi, je partais sur le principe que la Hawks méthode, c'était un système où c'est la réflexion de ce que tu es toi, en fait. Donc, c'est super deep. Ouais. Mais quand toutes les personnes qui l'ont fait, ils sont ressortis de la Hawks méthode, bah, ils ont réussi à avoir un peu une idée globale de là où ils étaient. Et en fait, c'est ça l'idée, en fait. Et puis, il y a ce visuel aussi. Le visuel aussi. Avec les différentes lacunes ou perfs. Oui, ouais. Et le ranking. Ouais, le ranking, voilà. Le ranking système aussi qu'on a mis en place. Donc, c'est vraiment
Bah c'est bizarre parce que les gens n'arrivent pas à placer Alox Method. Ils savent pas si c'est un battle, mais c'est pas un battle. Ils savent pas si c'est une compétition. C'est pas une compétition. Pour moi, c'est une évaluation. Une évaluation où tu te donnes à 100% pour voir où tu en es, en fait. Tu compètes contre toi-même. Tu compètes contre toi-même, exactement. Oui. Merci d'avoir été si éloquent et concis là-dessus. Franchement, c'est cool. Les prochaines étapes, là, les prochaines étapes, les séances. Oui. Rapidement, ce vendredi, là. Mm-hmm. Bon, on est combien, là? On est le 25 octobre. Le 25 octobre, donc le 29 octobre. Il est 19h15. Vendredi 29 octobre, on va faire une édition en locking, avec, affiliée avec Pays de Coast. Ok. Et bien sûr, il y aura encore plein d'Ox Method, ouais, dont une. Bon, là, c'est plus un lab. Un workshop intensif, okay, le 20 novembre, qui sera au June, d'ailleurs, dédicace au June. Vous pouvez venir vous inscrire. Vous allez sur l'Instagram de Ox Method, le Facebook, vous inscrivez, le site internet. On mettra tout. Voilà. On mettra tout, et une autre chose aussi, c'est que Ox Method s'est aussi mis en média. Ok, oui, donc, c'est vrai, Ox Media. Voilà, j'ai fait un Ox Media avec mon équipe, Christelle, Kiki, Carlos, Malcolm, Tiffen, Flo, et voilà, Chirine, pour se mettre ensemble justement pour développer d'autres choses au niveau visuel pour les danseurs. Cool. Avec des interviews, voilà, d'autres choses. C'est un autre, ouais, voilà, une autre dimension. C'est une autre dimension encore, ouais, mais okay, si vous voulez, c'est important. Voilà, allez sur le Ox Media aussi. C'est Ox bien. Media sur Instagram, j'ai Instagram. Vu ça. J'ai vu ça. Très belles images. Il y a de très belles images. Bravo à tes équipes qui filment d'ailleurs. On va passer à ton big up. On termine toutes les émissions, tous les big up shows par le big up que tu décernes. Tu as choisi vraiment de décerner à la fin de l'émission. Ouais. Je t'écoute, Yux, avant qu'on remercie tout le monde. Mon big up. C'est ça. Bah forcément, mon big up à moi sera pour Ousmane Sy. Oui, bien sûr. Babson, Rabat, ami d'enfance. Voilà, une personne qui va beaucoup manquer à la culture. Mm. Je dis vraiment à la culture parce que pour moi, c'est une légende, ouais, un pionnier. Ouais. Donc, si vous ne connaissez pas Ousmane Sy et qui est Babson, renseignez-vous. C'est ça. Et vous saurez qui est cet homme, ce grand homme qui a fait beaucoup pour l'Afrique. C'est vrai. La culture en France, le hip-hop. L'Afro House. Oui, c'est vrai. Les danseurs. Je dédicace Paradoxal. Je dédicace aussi sa famille, sa femme avec ses deux enfants. Je dédicace Barou. Je dédicace Tata, Macan, Candé, toute la famille, JB, toutes les personnes qui sont, qui sont près de lui. Capella, Sierra Stepper, Wanted Crew. C'est Wanted. Ça. Parce que c'est une légende. Donc moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Je dirai toujours, je mettrai toujours son nom en avant. Ouais. Il est décédé le 26 décembre 2020. Là, ça va bientôt faire un an. Restez connectés parce que sous peu, en décembre, il se passera quelque chose. Je dis pas. Ouais. Je dis juste que, voilà, Baba est toujours là. Il est parmi nous. Et son travail est encore là avec All For House. Si vous voyez un logo All For House, c'est lui. All For House, ouais, c'est lui. Allez à son event. Allez à son événement. Si vous voyez un spectacle de Paradoxal, allez-y. Vous allez voir ses idées. Vous allez voir comment il a chorégraphié. Si vous voulez vous renseigner sur YouTube, allez voir comment le frère parlait. Parce que il était un vrai discours, super en avance. Une philosophie incroyable. Une philosophie. Ouais. Et je pense que c'est des gens comme ça qu'il faut mettre en avant. Parce que, voilà. Et surtout, une autre chose, c'est qu'à Anthony, ils ont dédié le centre culturel au nom de Ousmane Sy. Et ça, c'est une chose que il n'y a pas beaucoup de gens du hip-hop ont, mais lui, il a réussi à faire. Donc, voilà. Grand big up à mon frère, Babson. Rest in peace, mon frère. Voilà. Merci. Bon, on va faire une petite jingle et puis on va revenir pour remercier tout le monde après ces mots touchants. Voilà, alors je sais absolument pas si on a fait une émission dans les temps, mais en tout cas, on a fait une émission qui me va. Une émission où j'ai pu t'accueillir, où j'ai pu voir un peu toutes les facettes de... En tout cas, à travers tous les médias qu'on a diffusés, à travers tout ce qu'on a essayer de mettre en place pour cette première émission qui va évidemment évoluer et qui sera le terrain de tous les gens qui allument nos cultures. Je voudrais remercier
toute l'équipe de DoLive pour ce super travail qui nous permet de proposer un programme sérieux, digne de ce nom. Merci beaucoup Gaëtan, vraiment, tu fais beaucoup pour moi depuis très longtemps. Merci énormément à Rafi, Raphaël, pour ton professionnalisme. À Justine pour ta précision, ta gentillesse, ton sourire. Merci Romain pour ton énergie incroyable. Un gros gros big up à mes copains de Starship Loopers pour la musique. Et franchement, on a eu un générique là qui a été fait par William Bjibjou. Je fais un énorme big up à ce mec parce que c'est un tueur à gages. Allez voir sur ses réseaux sociaux Bjibjou, Bjibjack. Je vous mettrai toutes les coordonnées, franchement, qui a fait notre habillage. Il est canon. Et Tina Loom, qui est une fille exceptionnelle, qui a fait tout l'artwork, là, le logo qu'on voit là. Donc je suis hyper content, hyper ému. Je remercie toutes les personnes qui sont dans le mur. Toutes les personnes, je ne pourrais pas vous citer toutes, mais je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission, que je n'étais pas trop stressé. On a dépassé le temps, on vient de me le dire, c'est officiel. Donc du coup, je vais rentrer dans un petit trou de souris et travailler pour qu'on soit dans les temps. Mais bon, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a pris du plaisir. J'ai un dernier mot. N'oubliez pas de sourire au moins une fois par jour, tous les jours. Big up, pardon, à toi, Yuxon. Big up à Raphaël Tavares, pardon, qui est le créateur de cette marque que je soutiens. Parce que je soutiens plein de marques que je porterai. Parce que porter, c'est mieux que dire. Big up à toi, Yuxon. Merci. Big up à toi. Merci beaucoup. Non, c'est moi, big up à toi. T'es une personne que j'estime, que j'aime beaucoup, avec qui on a travaillé et qu'on va travailler peut-être encore plus tard encore. Et puis, mortel pour l'émission. On continue. Ici, c'est le terrain des personnalités qui allument nos cultures, frérot. Invite les gens de la culture. Voilà. On a besoin de ça. Exactement. C'est ce qu'on va faire. Il y a des gens dans le public, en plus, qu'on va inviter, là. Ouais, ouais. Invite deux, trois copains artistes. Merci. Stop. On arrête là. Yeah. On se check. Si. On se dit au revoir. Générique de fin. Ciao. Salut.